Et salut à tous les amis, c'est Grostis. On se retrouve pour un troisième épisode hors série de Waka. Dans ce dernier épisode hors série, je parle un peu du nez, excusez-moi. Nous allons un petit peu aménager l'intérieur. Comme vous voyez, j'ai supprimé le plancher de l'étage en off. Je vais le remplacer par des petites dédales. Des dédales que j'ai rangées. J'ai aussi refait le terraforming au pied de l'échelle. C'est une saloperie de creeper à péter. Et nous allons faire le plancher comme ceci. Donc là, j'espère que les deux précédents épisodes vous auront plu. Celui-ci sera le dernier épisode hors série avant le retour dans un rythme plus ou moins normal des épisodes Waka. Waka Waka. Et j'ai déjà les sujets pour les prochains épisodes. Vous verrez ça en temps et en heure. Donc voilà. Mon nez qui me fait tout, c'est pas possible ça. Hop. Arctic. Je les prends toutes. Merde. J'ai fait une bêtise, chef. Et un petit trou. Des petits trous, toujours des petits trous. Le mec qui prend son pied pour un rien de c'est. Alors. Escalier, où vais-je te faire ? C'est quand même cosy hein, comme endroit. Cosy. Gouzi. Je suis désolé, c'est la fatigue chronique, on va dire. Chronique. Qu'on se comprenne, quoi. J'ai besoin d'accéder au coffre à bois. Hop. Heureusement que je sais où il se trouve, hein, les coffres. Poupilou. Attendez, je vais en profiter que je suis là en dessous. On va faire ça. Là ? C'est la table de craft. Hop, voilà. Donc ces deux coffres-là sont destinés à être ramenés juste là. Comme ça on est tranquille. Oh, ça chatouille. Oh, ça chatouille. Je suis en train de réfléchir parce que je mettrai peut-être des coffres ici en ligne. Le coffre loot à mob, je vais le supprimer pour me remettre la torche là au plus au milieu. Comme ça, ce sera plus joli et plus sexy. Celui-là il est vide, donc je pourrais ramener certains trucs d'une manière assez conventionnelle et sans problème. Pop. Hop, voilà. Comme ça, c'est plus propre. Malheureusement, là, ça me manque un peu d'éclairage. C'est quand même malheureux ce problème qu'on a. C'est l'éclairage qui pose toujours problème. Bon, des barrières, c'est pas ce qui me manque. Ah, si, il m'en manque. C'est pas grave, je vais aller en prélever là où je sais. Ta-da-da-da-da. J'essaie d'en prélever de manière homogène, ni trop brute, parce que, comme vous voyez, c'est un peu la mort, sinon, si on tombe. Je me dis, là, il y a de l'idée. Mais il y a des trucs qui, malheureusement, sont infaisables. J'ai mon nez qui me chatouille, désolé. C'est chelou.
Oh, attendez, attendez. Ah, comme ça fait tout de suite moins tâche. Hein. Bon, ça fait un peu plus bas de pa un peu plus bas de plafond. Mais ça devrait aller. Pouf. Voilà. Pour ce qui est du torchage, ça va être une autre histoire. Je pense. Bon, je mets la torche en mode YOLO. Ben voilà, ça c'est bien. Je suis content. Tralalilala. Ça fait que 5 minutes qu'on est en ligne. Je n'ai pas d'autre idée. Maintenant, je me dis, je pourrais diviser ça en plusieurs pièces. Mais ce qui m'emmerde, c'est ça. C'est l'escalier. C'est l'escalier. La. Comment on appelle ça? L'échelle. Qui est plantée là. Ou sinon. Parce que j'ai. Pardon. Mon but, quand même, final, c'est quand même d'aménager une espèce de petite maison. Petite maison sympatoche. C'est très embêtant. J'ai encore du bois, j'ai encore de ceci, de cela. J'ai plus de table de craft parce que je l'ai pété. Table de craft, table de craft, bah. Boum, hop. Pignouf que je suis. Deux portillons, c'est pas beaucoup. Sept portillons, ce sera pas encore assez, je parie. Ah, sec. Zigzag, zigzag, zigzag. Ah, oh, si je mets une barrière à la place d'une fence gate. Hop, hop. Voilà. Il m'en manque deux. Bon, trois. Quatre. Cinq. M'en manque cinq. C'est pas grave, on va faire ce qu'il faut. J'en ai fait une de plus, comme ça c'est bon. On est tranquille. Faudrait vraiment que je regarde où je vais pour finir. Voilà. Elle a du mérite cette baraque. Peut-être que là-bas, au final, je remettrai deux fenêtres. En plus de la torche qu'elle a là-haut, je la rebaisserai un petit peu. Ces coffres-là, ils iront dormir par là-bas. Je mettrai un petit coin cuisine, peut-être ici. Une petite table là. Une espèce de télé là. Hop. Puis basta, quoi. Voyez, on fait un petit truc RP. Hein. Un minimum RP. Un minimum. Hein. Ah, misère. Faudrait vraiment que je. J'arrête de consommer tout ça. Vous en faites pas, je rigole, je consomme rien du tout. Une torche en mode trollolol. J'ai pas assez de bois. Tac, tac, tac. Le zombie qui est mort. Minimum joli, s'il vous plaît.
Zut. Ça n'a rien à faire là. Oui, je switch beaucoup d'items, mais tout va bien. Là. Et donc la chambre sous l'escalier, bah, je me la garde. Voilà. Parce que ce serait pas poli de réserver ça à des invités. Même s'ils sont pas de marque. Ok, je sors. Je sors. Il faut encore que je redescende mettre les échelles. Là, il me faut deux portes. Il me faut une troisième en plus. Ouais, fuck you, that's why. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Les échelles, je les mets là. Le levier, je le récupère. J'ai oublié de prendre la trappe dehors, tiens. Je vais prendre la trappe d'or. J'ai beaucoup de lag ces derniers temps. Voilà. Oui. Voilà, comme je vous disais, j'ai re-terraformé ici après l'explosion de Monsieur Creeper. Oh. Bonjour monsieur. Aïe. 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 Je trouve qu'il tire plus vite qu'en 1.7 qu'en 1.8. Ils sont violents, les squelettes. Voilà. C'est plus propre ainsi, on va dire. Aïe. Et l'épisode qui commence déjà à arriver à son terme. C'est vraiment genre poum, devant le mur. Bon, on va pas s'en plaindre. Oula, excusez-moi. Petit problème digestif. Bon. Donc la table de craft, je la mets là. Le four, enfin les fours, je les mets là. En mode yololo. Ça, je fais sauter. J'ai pas assez de place. Hop, j'ai de nouveau pas assez de place, saloperie. Ça, je garde sur moi, on ne sait jamais. Bâton. Je range, outils et armes, je range ça. C'est un coffre piégé en plus. Donc les loot de mobs. Hop hop hop. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Précieux, donc c'est-à-dire charbon. Les mines. Enfin c'est. J'aurais dû mettre précieux et minerais. Je mettrai ça en off. Bloc de la terre, hop. Certains bois, je peux les ranger. Non, ça va pas se mettre là. Et armure, outils et armes. Ça, je préférerais quand même que ça reste ensemble. Je suis guaqué. De même avec nourriture et tout ça. En fait, à hauteur, je mets des monocoffres. Voilà, monocoffre quoi. Le coffre qui vomit.
désolé, je suis un petit peu paumé sur ce que je dois faire. Et c'est un trop peu et très chiant. Coffre à nourriture, c'est un coffre quoi? Coffre piégé. Ah, ça m'embête beaucoup. Mode réflexion en cours. Oula, j'ai fait un truc parce que là, ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé en plus cette blague. Je suis embêté, 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 embêté. Déjà, je vais faire ça. Ça, c'est déjà fait. On se gratte un peu. Je rigole. Oh, bon, tout ça pour vous dire que je suis paumé, 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 paumé. Bon, bah, du coup, je vais devoir arrêter l'épisode là. De toute façon, le temps que j'avais alloué est passé. Et donc, sur ce, si vous avez aimé, un petit pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, un peu. Donc, si vous avez aimé, un petit pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce rouge avec un commentaire pour dire pourquoi vous n'avez pas aimé. Et sur ce, si vous faites les fous, sortez couverts et prenez soin de vous. C'était Agortis pour Waka. Bye tout le monde et on se retrouve pour le prochain épisode de Waka officiel. Bye bye bye.